Les jours d'Ariel Sharon sont comptés, c'est ce que les Israéliens ont appris ces dernières heures. L'état de santé de l'ancien Premier ministre dans le coma depuis près de 8 ans s'est brusquement détérioré à la suite d'une intervention chirurgicale. Monsieur Ariel Sharon est hospitalisé depuis les 7 dernières années. Il a montré des signes de détérioration ces deux derniers jours, explique son médecin, avec des dysfonctionnements de plusieurs organes, y compris les reins, qui mettent sa vie en danger. En décembre 2005, Ariel Sharon est hospitalisé à la suite d'une légère attaque cérébrale. Mais le 4 janvier suivant, une nouvelle attaque le plonge dans un coma profond. Depuis, ses fils ont décidé de le placer sous assistance médicale. Cet ancien général est un pilier de la politique israélienne, parfois controversée, notamment lors des massacres de Sabra et Shatila ou après sa visite sur l'esplanade des mosquées qui déclenchera la seconde intifada. Ariel Sharon devient malgré tout Premier ministre en 2001. Après avoir soutenu la colonisation, il organise le retrait israélien de la bande de Gaza et le démantèlement de certaines colonies. Ariel Sharon a 85 ans.